mercato approche, les rumeurs se multiplient. L'une d'elles concerne un Titi. Christopher Nkunku est évoqué dans le viseur du PSG. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme aujourd'hui, l'idée d'un possible retour de Nkunku au PSG. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va mieux? Tu avais voilà, un petit problème aux dents. Est-ce que maintenant on le retrouve, l'Arthur, en pleine forme? Bon, en forme, oui. Après, j'ai toujours mal. Mais bon, tu sais bien comment c'est. Hein. Si je veux être inépuisable jusqu'au bout, il faut que je le sois jusqu'au bout. Tu vois, QFD. On accepte quelques absences sur voilà, des mauvais timings ou autres, mais c'est vrai que sinon, bah, y a un surnom qui se perd, et ça serait dommage, parce que c'est quand même voilà, une marque de fabrique côté Paris Fan. En tout cas, voilà, on va parler du dossier Nkunku. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour vous soutenir, pour aider Arthur qui se bat, qui serre les dents, enfin, plus ou moins pour être dans cette vidéo, il se bat en tout cas pour être là, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en rien manquer. C'est parti avec cette rumeur Nkunku, milieu offensif, plus ou moins attaquant de 24 ans, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le RB Leipzig. Ça, depuis son départ du PSG en 2019, et il réalise une saison impressionnante. Il a notamment comme ça été en équipe de France. Et puis, on peut assez logiquement comprendre qu'il attire des rumeurs, des intérêts d'autres clubs. Et le PSG, cité depuis plusieurs semaines, ce mercredi, Bild assure qu'il y a Paris et Manchester United qui sont particulièrement intéressés par un transfert. Il est question d'un prix 75 millions d'euros. Et tout simplement, Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Que ça vaut le coup? Ou est-ce que ça ferait un peu mal de faire revenir un joueur qu'on a formé pour une telle somme? Non, bah forcément, ça ferait mal parce que du coup, il est parti il y a quoi? Il n'y a même pas un an et demi, non? C'est ça? Il y a trois ans. Il est parti il n'y a pas si longtemps. Trois ans déjà. Bon, bah écoute, ouais. Voilà, il est parti. Après, quand il est parti, c'était pas le même Nkunku aussi. Hein, je veux dire, d'ailleurs, j'ai lu pas mal de journalistes et de médias qui étaient d'accord avec cette idée. C'est que personne l'avait vu venir, hein, cette prise de pouvoir d'Nkunku là-bas en Bundesliga avec le RB Leipzig. Voilà, cette saison, c'est stratosphérique. Hein, c'est 31 buts, c'est 20 passes décisives, 48 matchs, 30% des buts de son équipe, 50 impliqué sur 50% des buts de Leipzig. Voilà, tu disais milieu offensif, attaquant. On est quand même sur un joueur hyper polyvalent, capable de marquer, capable de faire des passes. Un joueur qui connaît bien la maison parisienne, puisque c'est un ancien Titi. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Et bah, qu'il a souvent dit que Paris était son club de cœur et tout. Donc, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le PSG se réintéresse à des joueurs qui sont français. Pour justement, on le sait qu'on a vu par exemple Bernat écarter la Ligue des Champions parce qu'il manquait de joueurs formés en France, et etc. Donc, c'est toujours bien d'imaginer faire revenir des joueurs français. Après, ça reste cher, mais en même temps, c'est aussi au niveau de sa saison. Hein. Il est cinquième buteur européen sur les cinq grands championnats de la saison 2021-2022. Il est quatrième sur la saison depuis l'année 2022. Enfin, voilà, on est dans les standards Benzema, on est dans les standards Mbappé, Lewandowski, Ciro Immobile. C'est un joueur, qui a explosé cette saison. Il avait déjà montré des belles choses la saison dernière, mais cette année, voilà, c'est du structuré, quoi. C'est du joueur qui marque, qui fait des passes décisives, qui porte les Leipzig sur les épaules. Et donc pour moi, ça serait évidemment une bonne idée. Après, ça serait une bonne idée, c'est dans un mercato, on va dire, idéal. Il faut un joueur, un attaquant à tout prix. Pourquoi pas Nkunku? Mais c'est vrai que d'abord, moi, je mets la priorité sur un milieu de terrain, parce que je trouve que c'est le secteur le plus en difficulté au Paris Saint-Germain. Ce besoin aussi de doubler, notamment le poste de latéral droit, c'est important pour pouvoir faire souffler aussi Hakimi. Après, oui, au niveau des attaquants, j'attendrai quand même de savoir si Mbappé va rester ou non, parce que faire venir Nkunku pour ne jamais le faire jouer, parce que devant, il y aurait Neymar, Messi et Mbappé, là, pour le coup, je suis moins d'accord que ce soit un joueur à 75 millions d'euros qui vienne pour ne jamais jouer, quoi. Mais si un joueur part et que le prochain entraîneur a envie de jouer avec un autre système, Nkunku reste une option quand même intéressante, on l'a vu cette année, c'est très très fort. Ouais. En fait, le problème, je vais revenir sur par la fin de ce que tu as dit, que ça va être pour tous les recrutements d'attaquants. Si Mbappé reste, bah, on l'a vu cette saison pour Icardi, bon, qui n'a pas été très bon, mais Di Maria aussi, qui a du mal à faire une place. C'est qu'une fois qu'il y a Messi, Neymar et Mbappé devant, c'est un peu dur d'ajouter un attaquant titulaire, surtout que ce n'est pas trois attaquants qui défendent. Hein, des systèmes à quatre attaquants, moi, j'ai aucun souci avec, mais il faut que les attaquants défendent aussi. Là, c'est compliqué. Et du coup, faire venir n'importe qui, n'importe quel grand joueur pour simplement être une doublure, ça me paraît très compliqué. C'est là où le PSG s'est peut-être mis de rien. On en parlera certainement dans un bilan de saison. Est-ce qu'il s'est pas mis un peu en difficulté en recrutant Messi? Parce que bah, c'est dur de faire de la place pour d'autres joueurs.
En tout cas, sinon, Nkunku, bah oui, c'est impressionnant. Quand tu dis ses stats, si on ne dit pas le nom, on peut penser que c'est presque un Mbappé ou autre. Enfin, ça fait partie. Il est parmi les meilleurs, voilà, de cette année. Donc, 75 millions d'euros pour l'un des meilleurs de l'année, c'est pas fou. Ça serait, c'est assez logique. 75 millions d'euros dans le marché d'aujourd'hui, c'est, oui, je trouve ça assez raisonnable, même si évidemment, c'est une grosse somme. C'est une grosse somme en plus pour un joueur qu'on a formé. C'est la petite pique, on va dire. C'est bon. On peut se dire que c'est dommage de dépenser autant pour un joueur qu'on avait chez nous, mais c'est vrai qu'en 2019, bah, il n'avait pas encore la même dimension, même si je trouvais qu'il était capable de très bons matchs. On voyait qu'il avait du talent, puis il avait un peu de mal à confirmer. Il n'avait pas toujours non plus le temps de jeu qu'il fallait pour être plus régulier. Donc un départ n'était pas complètement illogique, même si maintenant, forcément, c'est plus simple de dire aujourd'hui qu'il y a des regrets, qu'il fallait le garder. C'est vrai qu'à l'époque, il avait du mal à lui faire de la place. Et j'ai l'impression que ce serait le même problème du coup aujourd'hui, hein, comme on disait, c'est que bah, si on le fait revenir, quelle place il aurait? Est-ce que lui veut revenir si c'est pas pour être titulaire? Parce que à Leipzig, bah, il s'éclate, il est heureux, il est titulaire, il joue, il a de la confiance, il est performant. Je le vois pas partir juste pour se dire je vais dans un autre club et être une doublure, même si Leipzig, bien sûr, gagne pas beaucoup de titres. Il est encore assez jeune, il n'a pas besoin de se précipiter. Je pense qu'il voudrait une vraie place. Donc si Paris le prend, pour moi, ce sera en lui disant bah oui, tu auras du temps de jeu. Alors faudra suivre la parole, faudra avoir les moyens de suivre cette parole. Si Mbappé part, je pense que c'est une bonne option pour le remplacer. Il y a aussi, bah, faut aussi remplacer Di Maria, mais comme je disais, bah, c'est que si c'est une doublure, Nkunku ne sera pas intéressé. Donc tout dépend encore une fois de Mbappé. Hein. Le mercato tout au sein du PSG dépend beaucoup de lui. Et puis pour finir sur le prix, je te laisserai répondre à tout ça. 75 millions d'euros, c'est un peu, ouais, c'est une grosse somme, notamment pour un Titi. Mais en même temps, des très grands joueurs de cette saison pour un prix plus bas, ça sera aussi très difficile à trouver. Donc pourquoi pas un jeune qui voilà qui aime le PSG, il l'a dit plusieurs fois, il n'a jamais fermé la porte à un retour. Donc voilà, dans quitte à recruter pour une grosse somme, j'avoue que c'est voilà, c'est un pari qui me paraît assez tentant, mais il faut lui faire de la place. Oui, bah, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Évidemment, il y a d'autres dossiers, et comme tu l'as dit, les dossiers dont le PSG rêve, en quelque sorte, Sergueï Milinkovic-Savic, Nicolò Barella, on n'a pas en parlé d'Aurélien Tchouaméni, tout ça, c'est plus de 70 millions, Darwin Núñez, c'est 80 millions. Voilà, c'est une question de profil. Toujours, à chaque fois, je pense, tant qu'on n'aura pas l'identité du nouvel entraîneur, on sera un petit peu embêté pour un petit peu voir les profils qui pourraient être intéressants en fonction du style de jeu. Je reste persuadé qu'un numéro 9 avec des pistons, c'est presque indispensable. Donc, si Mbappé part, évidemment, s'il part pas, les choses risquent de pas beaucoup changer offensivement. Par contre, s'il s'en va, bah, évidemment, un numéro 9 aurait peut-être un petit peu plus un profil intéressant avec Hakimi, Nuno Mendes, Bernat, capable de centrer, un joueur capable de mettre des têtes, d'être présent dans les 6 mètres, dans la surface de réparation. Ça me paraît être important. Nkunku, il n'a pas ce profil-là. Il a plus le profil d'un Neymar, d'un Mbappé quelque part, d'un Messi, un joueur qui est capable de décrocher milieu offensif, capable de marquer aussi, mais qui n'a pas ce profil de, voilà, renard des surfaces, capable dans la surface de faire mal à l'adversaire. Mais en même temps, on ne peut pas recruter Darwin Núñez et Christopher Nkunku et Milinkovic-Savic ou Nicolò Barella. Plus, enfin, Pogba, je l'ai pas cité parce qu'évidemment, voilà, comme il y aura pas le prix du transfert, ça sera surtout le salaire. Donc, on pourrait faire Pogba plus Milinkovic plus un des attaquants. Je pense que c'est ce que le PSG va viser si Mbappé s'en va. Donc, après avoir le futur du futur entraîneur, hein, je veux dire, imagine demain, c'est un Pep Guardiola qui arrive. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un Darwin Núñez pour performer avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a déjà montré dans le passé qu'un Nkunku serait largement une solution viable pour performer. Alors, par contre, si c'est un entraîneur, on va dire, un petit peu plus classique, qui va s'appuyer, voilà, sur son 3-5-2, 3-4-3, peu importe, un numéro 9 sera presque dans tous les cas À essentiel, moindre lancer Icardi. à moins de relancer Icardi, mais il faut arrêter de rêver, Nico. Le PSG n'en a pas envie, et lui, je pense que, bah, du coup, quelque chose s'est brisé quelque part, la saison dernière. Il fait, même au niveau des supporters, il symbolise plus que le PSG souhaite, et lui, je pense qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Après, là, on spécule, évidemment, hein, on fait attention, mais des pincettes. Moi, je dis priorité quand même au milieu de terrain et ensuite au niveau de l'attaque. Tant que le dossier Mbappé et le dossier de l'entraîneur ne sont pas fixés, c'est très compliqué d'aller mettre 75 millions sur un joueur dont on ne sait pas s'il sera vraiment utilisé à bon escient ou non. Voilà, je pense que
Du coup, on aura fait globalement le tour. J'ai pas beaucoup à ajouter. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'on revient un peu toujours au même problème quand on fait nos articles ou ces vidéos. C'est que tant qu'on n'a pas, comme tu l'as dit, l'avenir de Pochettino, parce qu'on parle d'un nouvel entraîneur, mais soyons fous, il pourrait rester. Même s'il n'est pas dans les meilleurs entraîneurs de la saison en Ligue 1, des trophées UNFP, la grande surprise qu'on a failli évoquer, on se dit que finalement ça allait. Et puis l'avenir de Mbappé, évidemment, cette fin de contrat, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, ça change le fait d'avoir de la place, les profils qu'on a. Donc voilà, va falloir attendre pour en savoir plus, pour être plus clair. On espère que ça va s'éclaircir bientôt. La saison touche à sa fin. Le mercato sera encore long. Donc, on peut pas être sûr que dans les prochaines semaines, tout sera réglé. Mais petit à petit, ça va s'éclaircir. En attendant, bien sûr, dans les commentaires, dites-nous, vous, si la piste Nkunku, ça vous plaît. Si vous êtes plutôt les 75 millions d'euros pour un Titi, ça fait mal. Si ce sera dur d'avoir mieux. Voilà, comment vous le sentez? Est-ce qu'on fait partir Mbappé, Neymar? Mais si on change tout, soyons fous. En tout cas, on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis, en attendant, vous avez, puisqu'on parle mercato, notre top 10 des recrues sous les RQ ici. On a fait une longue réflexion avec Arthur pendant là. Et je le remercie pour aujourd'hui. Je sais que lui aussi, ça l'a touché de ne pas voir Pochettino dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ah oui, là, je suis complètement effondré par cette nouvelle terrible. Et puis, écoute, merci à toi, merci Fabio. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir quand même qu'un nom comme Nkunku arrive. Ça veut dire que la formation du PSG quand même fonctionne. Et que le PSG, c'est un petit message peut-être envoyé à la direction aussi. Faites attention à vos jeunes, ils sont quand même là et dans le futur, ils pourraient vous servir. C'est vrai, ça serait sympa, pourquoi pas les jeunes qui jouent, soyons fous d'ailleurs sur la fin de saison, peut-être vers les jeunes jouer, même Pochettino pourrait se lancer, mais attention, on a encore de gros adversaires à affronter, donc rien de sûr, et comme tu l'as dit, évidemment, on ne peut pas l'oublier. Pardon, merci à Fabio, oui, j'ai envoyé une petite pique, puisque Strasbourg c'était trop fort, donc on verra contre qui nos titis auront le droit de jouer. En tout cas, voilà, je le disais, merci à Fabio, merci à tous, et à très bientôt sur cette chaîne.